De riches et de pauvres, il n'y a pas la même morale. La Bible, le Coran, ne peut pas servir de la même manière celui qui exploite le peuple et celui qui est exploité. Il faudrait avoir trouvé deux éditions de la Bible et deux éditions du Coran. Ok. Avant, guidé par le vent, pris par le tourbillon de la vie, je tourne en rond comme des feuilles mortes ici et là. Maintenant, je prends le temps avant que le temps me tue. Plus le temps pour les causes perdues, mais c'est qu'un point de vue. Avant, j'avais celui d'un nouveau-né, forcément innocent, abandonné d'office à la maison. Le mot fils n'a pas l'accent paternel, je me fais pas une, mais des raisons et en tire quelques leçons. Maintenant, vieux garçon, ancien petit con, je remplis d'illusions, devenu grand con face à ses désillusions. Prenez pour rouleau le poteau d'Apachino comme lui, Eglésias, j'ai mes tasses taillées comme Elias. Maintenant sans jeu de mots, Amdoulila, j'ai trouvé ma voix. Derrière Cécile et même derrière le micro que dans la vie. Avant, tout n'était pas une question de moyens ni d'argent. Maintenant, une vie, la dignité, le pouvoir, tout a un prix. Avant, romantique comme Roméo, ce Navarro. Maintenant, gros, je n'attends plus les problèmes ou de perdre gros. J'ai la réplique qu'il lui faut quand elle me sort le mot je t'aime. Avant, j'avais d'autres soucis que ceux de maintenant, c'était pour ça que je regrette avant. Maintenant, génération Black Bamber, leurré par les mots liberté, égalité, fraternité. J'ai arrêté de voter, mais je continue d'en rêver. Maintenant, c'est chacun dans son coin, chacun dans son camp. Avant, génération de pigeons aux multiples couleurs. Made in Benetton, fermez nos gueules dans la douleur. C'est tout ce qu'on a gagné, condamné à résister, insister et persister. Maintenant, pointé du doigt, affiché, cogné par la politique du pays et les médias, coulés par les critiques au travers nos actions du bel et nos travers, notre franc-parler condamné à s'adapter. C'est qu'un point de vue entre avant et maintenant de nos vécus, de ce qu'on a vu, là où on a posé nos culs. Ça va de ce qu'on n'aurait jamais cru à ce qu'on a laissé sur le cul. Point de vue qui évolue avec le temps, guise de bilan sur nos vies crues. Qui aurait cru avant voir ce qu'on est devenu maintenant. Tu vois, pour des issus d'une génération d'immigrés, celle des années 80. L'immigration n'était pas encore devenue malsain. Comme si j'étais sur la place publique, je vais pas t'en faire un dessin. C'était pas rose non plus, entre les skins et les bandes du bassin parisien. Clos combat dans ces arrondissements et départements. Pourtant, le regroupement était d'actualité, mais pour le moment, les sons, discours fatigants, c'est tout le temps le même management. Alors il fallait se distraire, foutre dans la cité, apprentissage simultanément. Tant de son éducation comme de sa culture, un passage obligatoire pour s'intégrer au sein de la nation. Une aventure et un savoir qui nous a été enseigné jusqu'à l'âge de la rupture. Un exutoire pour certains et pour d'autres, lycée professionnel ou aléatoire. Pour ceux qui voulaient approfondir leur connaissance sur les bancs, histoire de dire qu'ils se seraient donné plus de chance. Et pourtant, sur le marché de l'emploi, ils pointaient comme tout le monde, consentant du vécu et parcours, ma foi. Tant partagé et peu de lui, même compétent, ce n'est qu'un point de vue. L'entends-tu? Qu'aujourd'hui, avoir un taf est devenu vital au point de s'oublier pour ce capital qui détruit les valeurs humaines, n'est pas le billet qui a les plus fragiles d'entre nous, casse les codes du respect, une liberté hostile au droit parental. Et ceux à qui on le doit et le donne, faut-il leur manquer de respect parce qu'on a le droit de porter plainte contre les siens? C'est dans le pénal une nouvelle loi acceptée de tous pour le bien des enfants normaux, il faut les protéger contre ces agresseurs, quels qu'ils soient. Une donne qui nous a changé, remarquée par vous-même, on le voit, on l'applique dans nos relations. Au quotidien, le dilemme s'installe, y'a plus le choix de toute façon. Faut s'y préparer et s'armer de patience, la seule chose à faire pour ne pas passer au travers de la vie. Où se retrouve incarcéré, tu sais que c'est dur de s'insérer dans ce système prouvé que t'intégrer. Comme nos aïeux qui ont su se taire et marcher la tête basse, bosser pour nourrir sa famille, mais ne pas voir sa descendance dans une décadence inutile d'accabler leur conscience puisqu'ils pensent qu'il n'y a plus rien à faire pour avancer. Une conséquence nuisible pour un avenir censé être bon. Sans, dans quel sens si possible, celui du droit chemin, une raison de chasser des mauvaises ondes de ma vie, de la vie.